Là, je peux la jouer moi un peu différemment, tu vois, je vais te la jouer un peu différemment. Donc j'ai pas roi à la PC. Et surtout, 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 quand tu as un énorme avantage comme ça, la zone devant mon nez, hein, la zone de volume d'engagement de mon arme, c'est ces zones où il faut surtout pas que tu ailles. Parce qu'il n'y a aucune raison que j'arrive à t'ajuster en fait. Toi, t'imagines, tu as 50% de puissance en plus. Donc ça, c'est un bon exercice de placement. Donc tu vois, rien que là, tu as commencé, t'es offensif sur moi, j'ai pas la PC. T'as vu, ça prend du temps, hein. Et forcément du coup du pétrole. Pourquoi? Parce que j'ai pas tant réduit que ça. Et pourtant, t'as plus de puissance que moi. Voilà, là tu tires. Voilà, très bien. Alors par contre, tu vois, rien. T'as relâché pour prendre ta passe de tir. Ah oui. Alors tu vois le risque que tu prends? Ouais, je peux pas lever le nez parce que j'ai pas autorité avec la PC. Donc tu vois, mes volumes ne sont pas tous les mêmes. Mais tu vois le risque que ça te fait prendre, alors imagine contre de la PC, donc fais très attention à ça. Parce que regarde, paf. Ouais, je la perds beaucoup trop vite. T'as vu ça? Avec un avion endommagé et tout, j'arrive à mettre le nez sur toi, donc ça faut faire très très attention. Donc soit tu y passes plus rapidement, mais tu vois, fais très très attention à ça. Donc à chaque fois quand tu as une passe. On va dire gagnante, hein, tu m'as touché et tout, mais l'avion vole encore, ça m'empêche pas de te tirer dessus. Et dans un cas, on va dire combat normal, en plus j'ai des missiles, hein. Nickel. Bon bah mieux. On va refaire une toute dernière. Éjecte-toi, on va faire une toute dernière parce que si je vais rallumer la PC. Il est quelle heure avec tout ça? Tu as l'heure? 23-17. Super, merci. Ok, dis-moi quand t'es prêt. Nickel. Donc là tu restes derrière moi, offensif. Je te laisse te rapprocher. Je vais mettre plein réduit. Donc là, t'as retiré dès que tu veux. Oups. J'ai pas le droit de rater ça.
Et là, je sais pas, parce que j'arrive. Faut que je tire pour essayer de te mettre hors de ma contrôle zone. Ouais, par Passer exemple. l'énergie pour remonter. Là, en fait, t'es bloqué à mes gueules ou... Ah bah tu t'avais fait... je t'ai touché sur HLL. Là en fait t'es dans le camégle où t'es au deck et bah, en fait tu t'es auto-fermé dans un cas qui n'a pas vraiment de solution. Donc le seul cas vraiment qui te reste c'est tenter... On en refait une dernière si tu veux. Ouais. Seul cas vraiment qui te reste dans un cas comme ça c'est tenter un renversement et me forcer à l'overshoot. OK. Dis-moi quand t'es prêt. Ok. Je vais mettre les ailes à plat. Je tourne à droite un peu. Et quand tu veux. Là, t'es ultra offensif sur moi. T'es prêt? Allez, fight zone. Donc là, regarde, t'as 12 000 pieds. Pourquoi tu te laisses gratter dans le virage comme ça? Faut que tu mettes mets l'aileron à gauche et tire vers moi parce que tu vois, là, moi, ça me permet vraiment de me rapprocher de toi. T'as vu par la géométrie, alors que t'étais derrière moi à 300 mètres. Hein. Et là, par la géométrie, le placement du vecteur vitesse, en fait, je viens gratter d'un point de vue géométrique sur toi. Donc il faut que, je pense qu'il faut que tu sois plus nerveux sur tes mises en roulis de manière Okay. à plus me mettre la pression. Tu réagis pas assez par rapport à moi en fait. On dirait que tu as un petit peu ton idée de manœuvre et elle prend pas assez compte de ce que fait l'adversaire. Moi, tout ce que je fais, je cherche pas à dicter mon combat, je réagis par rapport à toi en fait. Et je suis constamment en train d'analyser ce que tu fais et saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Et toi, c'est pareil, il faut vraiment que tu sois sur un plan d'action où tu prends vraiment en compte ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penses Ouais, que tu peux amener l'avion? c'est. Faut que je l'inspecte. Oui, là, je pense que ça va, là. Allez, bah on ramène. Alors, c'est où c'est là? Ouais, non, ça va, là. Allez, nickel. Comment on fait pour le ramener du coup? Je monte déjà pour vérifier Ouais, là. tu peux. Dans la vraie vie, tu serais souple au niveau des gaz. Hein. Un coup à craquer la PC alors que tu fumes comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis là, tu peux dès à présent commencer à mettre le nez un peu sur le terrain. T'es quand même en monomoteur. Hein. T'as sorti le train? Négatif. Ça va t'aider. Un peu vite. T'as un parachute ou pas sur le F-16? Non. T'avais... Ouais, attends. Les AF sont Ça va pas trop. super efficaces, non? Ouais, non. T'as remis les gaz? Tu fais un 2,70 pour te représenter. Alors là, t'es en monomoteur, n'hésite pas à grimper quand même.
Pourquoi? Parce que si tu as une panne, il faut que tu puisses annuler ton vario avant l'éjection. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, si ton avion se met à s'enfoncer à 500 pieds sol, le temps que tu prennes ta décision d'éjection, tu auras peut-être pris un vario tel que tu vas mourir. Donc c'est pour ça qu'on cherche toujours un petit peu à remonter, mais là c'est propre ce que tu as l'air de faire. T'as quelle vitesse? Quand par pitch de ce 2,30. T'as mis plus réduit? Ouais. Ouais, sinon tu. Voilà. T'as quelle vitesse là? Ouais, ça va 190. le faire. Voiture. T'as pas de parachute, hein, tu m'as dit? Non, non. T'es debout sur les freins Ah voilà. Je suis à fond. là? C'est un peu le sujet de mon intervention télé dans dans 1 heure. Ah, c'est bon, ça Ça passe. passe à fond. Bon, petit. À large. Bah voilà, magnifique, t'as ramené l'avion. Bon, bah génial, t'as des questions? Question, non, travail, oui. Bon, le gros point, c'est quoi? C'est réfléchis bien en termes de gestion et tout, justement, bah, c'est pas parce que tu as un FCS que tu es enfermé dans un plan d'action. Il y aura des multitudes d'opportunités qui s'offrent à toi. Ok. Un FCS face à un 2000, c'est peut-être moins bon en cercle, mais si le 2000 est mal engoncé parce que bah, tu commences vachement offensif et que tu as cette capacité à t'arrêter, à rester derrière et à passer dans du un cercle très offensif, ne pars pas le nez vers le bas à 450 nœuds bêtement. Donc je pense qu'il faut plus prendre en compte la situation. C'est pas parce qu'un avion a telle catégorie ou telle étiquette que cette étiquette est ad vitam. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, plus de patience et plus de gestion d'énergie, C'est quoi. ça. Donc et surtout plus grosse prise en compte de l'environnement réel, de ce qui se passe, de manière à mieux exploiter les failles de l'adversaire ou les opportunités liées à la situation tactique. C'est vrai, c'est vraiment vraiment ça. Donc sois vraiment très observateur sur ce que fait ton adversaire, parce qu'il va faire des erreurs, parce qu'il y aura des occasions et il ne faut pas les laisser passer. Donc je pense que le mot de la fin, c'est vraiment ça. Ne pas s'enfermer dans un schéma psychologique de j'ai un avion qui est fait pour tel type de combat, donc il faut à tout prix que j'aille dans tel type de combat. Le combat, c'est des opportunités. Donc il faut savoir les saisir. Voilà. Ok. Et bah, ou tu fuis un petit peu du bout d'elle, mais c'est pas grave. Bah, merci, Sakia. Merci à toi. À bientôt. Ouais. Allez, bah, fly safe. Et À puis, bientôt. j'espère que ça vous aura plu. Au final, on a vu l'overshoot, on a vu le high yo-yo, on a vu cette importance en DACT, en deux types d'avions différents. Oui, de connaître ses points forts, ses points faibles, mais de s'adapter à la situation et de ne pas partir sur un schéma mental où, au final, on fait un petit peu sa partition. Le combat, ça se fait à plusieurs, donc il faut prendre en compte ce que fait l'adversaire de manière à max performer son avion et peut-être même aller là où l'adversaire est censé être meilleur sur le papier, mais peut-être que ce jour-là le pilote est moins bon, peut-être qu'il a des bidons, peut-être que voilà, on ne sait pas, mais on voit une opportunité et on l'exploite. J'espère que ça vous a plu et à très vite sur cette chaîne pour d'autres contenus comme ça avec pourquoi pas plus de followers. N'hésitez pas et je vais bientôt ouvrir un Discord. Là, c'est un petit peu ma semaine famille, donc je ne l'ai pas fait cette semaine. Mais ça va venir très vite. Allez, à bientôt.